forêt. Les feux de forêt sont très nombreux dans le sud de la France, surtout dans le Var et la côte d'Azur. 700 pompiers essayaient d'éteindre le feu. 16 pompiers du Doubs sont partis dans le sud pour aider leurs collègues pompiers à lutter contre les incendies. L'explosion a eu lieu le samedi 14 août à Levier. La maison a pris feu. La personne qui habitait dans la maison avait disparu. Cette femme âgée de 55 ans a été retrouvée morte dans sa voiture. D'après la police, cette femme a volontairement mis le feu chez elle. Avant de se suicider dans sa voiture, elle venait de se séparé de son conjoint. Accident à la fête foraine. Une petite fille et sa mamie, âgée de 70 ans, sont tombées d'une petite roue à la fête foraine de Ney dans les Pyrénées Atlantiques. Elles sont tombées de 3 mètres de haut. Elles n'ont pas été gravement blessé. L'Afghanistan est un pays de l'Asie du Sud. C'est un pays en guerre. Kaboul est la capitale de ce pays. Les talibans sont des personnes qui veulent prendre ce pays d'après 20 ans de guerre. Les talibans ont réussi à prendre le pays. Les habitants de ce pays se sont réfugiés dans l'aéroport pour essayer de fuir. Des avions de l'armée française évacuent les Français bloqués en Afghanistan. Sauvetage. Lucia est une jeune fille de 13 ans qui vit en Dordogne. Lucia s'est jetée à l'eau quand elle a vu un petit garçon de 4 ans sauter d'un pont. Sa ville va lui donner une médaille pour la remercier de son courage.